Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 111e épisode de Small Land en coop. Et aujourd'hui, on attend que Sam Damour monte. Allez, c'est parti. Il me manque 5 bois. Tu retombes, prends du bois sur la route. J'ai essayé d'en prendre, j'en ai pas. Vu que j'ai pas de hache, j'irai plus. C'est vrai que ça n'a pas aidé ça. Oh non, alors vous savez quoi? Ah bah non, j'allais dire une connerie. Ah oui, j'allais dire une grosse connerie. Si Titange, t'as ton stuff? Oui. Il faudrait que tu t'envoles. Oh. Tu t'envoles en direction du cube de Granger, par exemple. Enfin, quelque part où il y a des. Où tu trouves un arbre. Tu récupères 5 de bois et tu découvres Reco. Comme ça, tu vas te reconnecter en haut. On pourra faire un lit pour Sab. Je me suis fait tuer, j'ai pas beaucoup de vie, je me suis fait tuer. Il n'y a pas de bois en plus en bas à la maison. Bah, là, j'en vois du bois au sud. Non, il n'y en a pas le bois de la maison. Et où? Attends. Où est-ce que tu je le vois? Descendu, toi, bah, je suis décédé. En face, là, il y a du bois que je vois, non? Mais je crois qu'il faut remonter dans la petite forêt. Bah, si tu voles d'ici, tu arrives à la forêt. Sauf que non, tu te fais tirer dessus par les canons, tu peux pas voler d'ici. Ah ouais. Tu te fais défoncer. Le problème, c'est que du coup, le titan, je risque de se faire. Quick, oui. De se faire quick. À limite, peut-être plus confiance en Sab Dame pour voler de ce côté-là. Sauf que Titan, je viens de céter son point de spawn. Tu peux pas faire une nuage de fortune qu'on fait au début, Sab Dame, et récupérer du bois. Bah, je suis reparti. Mais non, parce qu'une nuage de fortune, ça demande. Et du bois. Du bois. Une hachette en bois demande 4 de bois et 1 de fibre. Donc s'il avait 4 de bois, on ferait directement un plumard. Ouais. Parce que moi maintenant j'ai mis mon spawn ici, ça veut dire qu'on va respawn ici, donc ça veut dire que s'il y a du monde, on va se le prendre sur la tronche. Mais si je meurs en y allant, tu respawn ici. Je respawn ici, mais j'aurai plus mon stuff. Ton stuff, il sera au dernier point où tu as touché le sol. Donc si tu sautes d'ici, ouais. Il sera ici, ton stuff. Ok. Parce que là, il y a des... Tu touches la terre entre-temps. Il y a des arbres en face. C'est pas hors zone. Ça, c'est hors zone. C'est hors zone. Ça, c'est pas des arbres qu'on peut couper, hein, madame. L'arbre, il fait... Le tronc, il fait 1000 fois ta taille. Bah, là, c'est pareil, hein. C'est les mêmes arbres alors. Non, non, c'est dans là où il y a des arbres en bas. Là, couper, on a des petits arbres qu'on peut couper en bas des structures là, en bas de notre maison. Oui, il y a les arbres qui ont du bois dur ou je sais pas quoi là. Ah, du bois de fer. Oui, du bois de fer. Merci. Bon, bah, je vais essayer, mais c'est pas. Non, pas le bois de fer. Non, il faut pas du bois de fer, mais les arbres qui ont du bois de fer, est-ce qu'ils ont du bois normal? Négatif. Non, non, ils ont que du bois de fer. Hein. Ouais, faut remonter. Donc, un petit peu dans le... Faut remonter du côté de l'aire de jeu qu'il y a au-dessus. L'aire de jeu. Le bois de fer donne aussi du bois, dit Deranou. C'est vrai que ça fait un mois qu'on n'a pas joué. 2 mois qu'on n'a pas joué. Ah bah, donc tu peux aller choper du bois de fer. Chope okay, du bois de fer, le... Je tombe, j'atterris en bas et je remonte. Ouais. Tu tombes, t'atterris en bas, tu te déco et tu recours. Donc quand... non mais il se passe une deuxième fois. Hein. Voler un peu. Ouais. Ah bah oui, bah des oui. Canons. T'es morte, non? Non, non. Ah non. Va pas dans l'eau, c'est tout ce que je te demande. Ah punaise, y a encore un canon par là.
Essaye de te poser rapidement, pas voler. T'as pas le risque des canons. Il me reste 30 de vie. Bon, alors. T'as des bandages. Ouais, je me soigne là. Je cherche. Là, ça, c'est du bois, ça. Ou de la fibre, je sais plus. 4. Le temps que tu nous fasses ça, je vais faire une escale technique, je reviens tout de suite. Fibre, bois, ok. Heureusement que Durano, il est là, parce que sinon, on était parti à l'air de jeu. Enfin, moi, je tombe pas sur du bois de fer, je tombe sur du... Mais ça te donne du bois. Je suis tombé sur des jeunes arbres. Donc, c'est impeccable. Après, est-ce que je vais réussir à trouver le chemin pour revenir? Ouais, c'est ça. Après, tu te déco. Après, tu te déco, tu te reco. Avec le bois dedans, le stuff. Ouais, une fois que t'as trouvé du bois. T'as du bois, tu te déco. D'accord. Et tu te reco et t'arriveras sur le lit que t'as posé en haut. Alors, je vérifie combien j'en ai. Alors, il m'a touché. 16, ok. Parfait, mais tu peux te déconnecter. Voilà, j'ai plus que 22 de vie. J'ai plus que 22 de vie, je vais mourir. C'est les archers qui te font mal sur la route. Les archers et puis le frelon. Ouais, ouais. Tu peux éviter les autres, mais les flèches, c'est petit bonheur la chance. Mmh. Ah, il faut utiliser contrôle pour faire les roulades. Hein. Tu esquives les trucs comme ça. Ouais. Oui, non, mais les bonhommes, je les évite, mais les archers, c'est difficile. Et le frelon, c'était dur en moi. Tu peux esquiver les flèches aussi, comme ça. Même si tu sais pas s'il tire dessus, tu utilises régulièrement. Ouais, ouais, non, mais j'ai régulièrement la roulade, au moins, tu gardes un peu de vie pour monter. C'est celui qui est mort comme un teubé contre un grillage qui peut. On aura tout vu. Ah, mais c'est le colporteur qui a raison. Je crois qu'il faut recommencer le jeu à zéro. C'est vrai que c'est souffrance, là. Ouais, mais c'est bon, tu peux faire un lit, si tu veux, à côté des deux autres, pour ça te donne. Ah, je me suis fait tuer. Encore ? À coup de canon. J'ai sauté, j'ai voulu parer, j'ai sauté. Est-ce que ça te donne va réussir à rejouer ? Oh, punaise. Alors... C'est quoi ça? Sol en pierre, sol en feuille. Ah oui, je vais y arriver. Hein. C'est dans structure, lit. C'est avec le marteau. Hein. Bâtiment. Non, pas dans bâtiment, ça c'est tous les. Tous interactif. Les j'ai bien des lits, mais c'est des. Attends, lit simple, voilà. Heureux, désolé. Le bruit de la pluie, ça a eu raison de moi. Ah bah. T'as pu te faire ton. Le lit de Sabdam. Voilà. Mais ça faut maintenant que j'y arrive. Ça me donne mes remords. Juste en bas là, juste en bas au niveau du dernier escalier. Dégoûté. Mais c'est pas possible. Pourquoi ça me donne? J'ai paré un truc, mais parce que j'ai sauté puis j'étais à moitié en l'air. Et ça m'a fait voler en fait. Ça me donne. D'accord. Et un coup de canon, et le coup de canon m'a achevé. Allez, ça me donne, on croit en toi. Et si tu remeurs, on déco-reco et puis on voit ce que ça donne, parce que ça sert à... Enfin, quitte à ce que tu fasses la montée, autant que tu le fasses pendant qu'on essaye de le tuer. Je crois que là, tu peux récupérer ton stuff facilement, c'est peut-être pas une bonne idée, en fait. Ouais. Non, sinon, faut essayer de... Non, parce que vous allez mourir. Consommer du truc. De venir t'escorter. J'ai pas d'armes, le problème, c'est... Ça... Oh. En attendant, si tu veux économiser, si t'as pas beaucoup de bouffe, petit ange, tu peux te déco en attendant, ça évitera de descendre ta bouffe. C'est vrai que j'en ai plus que 10, un truc comme ça. Voilà. En attendant, Sabdam, au mieux que tu sois déco, au moins ta bouffe est descendre. J'en ai plus que 10. Moi j'en ai 7, champi. Dans une demi-heure. Je crois que j'ai moins encore, moi. Il te restait du bois, petit ange? Oui. Tu peux m'en passer, je vais faire un établi. Ou alors faire un établi, comme tu veux. Tiens. Non, c'est bon, la fibre, j'ai. Bon, ça, c'est... J'avais. D'accord. Oh, ça, attention, il y a un mec.
Des lits. Il va nous casser nos lits, ces abrutis de bêtes. Et puis j'ai pas mon marteau de guerre, j'ai le marteau de construction dans les mains, moi. Ah, ils sont deux. Il y en a un deuxième, il y en a deux. Ouais. Aïe, 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 aïe. Sur il y en a trois. Ça repop. Viens, on va s'entraîner sur le... Ah, il est pas là-bas, en face, le boss? C'est en quoi le grand truc noir que tu vois? Quand tu montes l'escalier, je vois un grand truc noir en face. C'est les ailes de l'oiseau, tu vois. Fais gaffe, ils montent, hein, les mecs. Ah oui, ils montent. C'est bizarre. Oula. On dirait un truc buggé en bas, là-bas. Je me demande si c'est pas le mec qui est coincé dans la suite. Ça, tu dis? Quand t'arrives sur la plateforme, l'arène finale, sur la droite, je vois un truc dans le mur. Un truc qu'on voit de loin par rapport au reste, donc je me suis demandé si c'était pas un truc comme ça. Je vois rien. En bas, là, regarde vers le bas. Okay. Tout était à côté du poteau, regarde vers le bas. Ah, on dirait un... Non, c'est la poignée et de la porte. Ah ouais, parce que ça... Au niveau de... Regarde la porte de l'autre côté, elle a la même tronche. Ah d'accord, ouais. Parce qu'au niveau graphique, ça, c'est un... on le voit de plus loin que le reste. Oui. Absolument. Bon, Mémé, tu vas attendre ici. J'espère qu'ils nous ont pas cassé les lits là-haut. Je vais retourner voir. Elle attend pas, c'est si. Non, elle bouge. Elle te suit. Bah écoute, je lui ai dit d'attendre. J'ai que 28 PV, hein. C'est compliqué. Quoi. Elle est dans l'eau là. C'est pas grave, tant pis pour verte. Elle. Elle prend son bain. Ok, a priori les mecs n'ont pas. Ah si, il y en a un qui a respawn. Ah bah moi je l'avais pas tué, hein. il est reparti. Hein. Ouais, mais il y en a que un qui gérait aggro là. J'ai pas l'impression qu'ils suivent. Tant à l'heure il a suivi jusqu'à temps que je sois sur la plateforme. Quoi. Ouais. Donc Sabdam est en train de monter. Allez Sabdam. Il va se le prendre dans la tête, le bonhomme. Alors Sabdam, quand tu monteras, il y a trois lits. C'est celui qui est en travers. Il y en a deux qui sont à peu près parallèles les uns aux autres. Les deux premiers. Attends, j'ai évité à. Attends, excuse-moi. J'étais concentré à éviter un mec. Ouais, j'ai juste que quand t'arriveras, les deux premiers lits sur ton chemin qui sont parallèles l'un à l'autre, ils sont déjà pris. C'est le troisième sur lequel il faut que t'appuies sur F. Pour ton respawn. 7 ton respawn, c'est tout ce qui compte. Au pire, si tu meurs, bah. Yep, je meurs. Je respawnerai là. Exactement. Eh putain! Hey. T'es pas mort. T'es pas mort. Ouais, il est pas mort. Ouais, je suis mort. T'es mort? Ouais, j'ai reçu un coup et puis j'ai. Bon, oh, bah, petit ange. On fait déco. Déco reco. Ok. Juste, j'arrive au dernier moment, mais j'ai 24 PV. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 24 PV? Le moindre coup, il me. Allez, aïe. Je vais nous reconnecter ça. Je recolle le mot de passe. Non. Ça, c'est pas le mot de passe. Ça, c'était le mot de passe. Bon, moi, je vais prendre l'air. Sans vous en foutez, je joue plus. Bah, on s'en fout pas, mais... Exactement. C'est en train de se connecter. Vous devriez pouvoir rejoindre. J'ai bien spawn en haut. Ah, sinon, au pire, fallait prendre mon stuff, les gars. Non, c'est pas possible. Non, mais comme on disait, c'était pas forcément souhaitable. Par contre, j'ai
J'ai les marteaux sur la tronche. Ah. Donc je remonte. J'espère qu'ils vont pas nous détruire les lits. J'espère aussi. Ah, puis ils sont bien trois. T'as pu te reconnecter, Sab ? Ouais, oui, je suis reco. Ouais. Je suis en train de remonter. Au moins, il fait beau. Attention, il y en a un qui monte. Fais attention sur eux, Edou. Ah oui. Hop. Et là, normalement, il vient, il monte, et puis après, il fait demi-tour. Alors, il n'est pas passé sur la plateforme. Ah, bah, l'appareil est revenu. Oui, l'appareil est revenu. Il faut qu'on déclenche le combat. Il est resté là en bas. Mes pupilles remontent. Ah, c'est une bonne chose, mes pupilles remontent. Parce que tout à l'heure, elle ne remontait pas. Elle va me faire tomber, ta mésange. Mets-toi plus au bord de la plateforme. Mets-toi au bord de la plateforme. Au milieu, tu veux dire. Oui, pas oui, enfin, ne reste pas au bord. Voilà ce que je voulais dire. Regardez le mec qui est là, quoi. Parce qu'elle est devant lui, mais elle l'attaque pas. Hein. Si, elle l'attaque. Ah, si. Si, ça y est. Il y a toujours mon stuff en haut ou pas? Ouais, ouais. Ouais, ouais, je confirme. Elle l'a eu ou... On pose la même question. Ah, je le vois debout, hein, fais gaffe. Elle l'a pas eu. Je recommence avec 69 PV, donc c'est bien. Ça y est, elle l'a eu. Ah non, elle l'a pas eu. Mais presque. Ah non, c'est Mémé qui est... Il faut aller l'aider alors. Oui, c'est ce que je fais. Je sais pas où il est. Ah. Je pense que tu l'as eu, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a rien donc hop. Attends ici. Est-ce qu'elle attend ici? Là pour l'instant elle bouge pas. Ça a l'air d'être bon. Elle se remonte un peu ses PV parce que bon voilà. Ah bah je vois que la machine est revenue. La machine est revenue. Le sable d'âme remonte. Il fait jour. Ah bah, c'est total. Vous avez toutes les bonnes conditions pour... Il y en a encore un ici. Il y en a un au bord du truc. T'approches pas trop. Voilà, gros, ici. Sur la plateforme. T'en es où, sable d'âme? Ah, t'es loin. Je suis bientôt au pied de la tour. Bruit, attention, t'es pédé, c'est bon. Mes PV sont bas, oui, mais je vais pas me soigner, là, je suis à fond en nourriture, ça va remonter. Mes PV sont bas parce qu'on s'est battu contre un marteau. Ouais. Il y a trois marteaux à côté de nos lits, du moins, il y avait. Maintenant, il y en a plus que deux. Bah, vous allez pouvoir construire avec tous ces marteaux. Exactement. C'est cette dame qui va être content. Ouais. Il aime bien les marteaux, cette dame. Ah ouais, je speed. Il donne un stack de clous avec. Ah non, on donne pas des clous avec le marteau à Sabdam, il va faire des frames. Ouais. Quoique, s'il a pas de planche, c'est bon. Ouais, c'est ça, Derno. Vous voyez plus la pluie, tout ça, ça veut dire que la tempête est passée, c'est que le boss est plus là. Faut le faire respawn. Ce qui veut dire qu'il... Il aura tout son... Tous ses PV. Ah, saloperie de... Ah non, Sabdam. Frelon. C'est le frelon. Je me bats contre le frelon. Il te bat pas, sans arme. Mais j'essaye, mais il m'empêche de passer. Il me met des coups. À travers les escaliers. Et il monte plus. Il est bloqué.
Ouh là là, il me reste un PV. Oh, yeah. Un PV. Oh là là, puis il y a un archi juste là. Et ça me donne. Allez, oui. T'as le droit, t'as gagné un ticket pour un nouveau voyage. Un PV, je suis pas sûr. Allez, remonte les PV. Ils remontent pas les PV, j'ai plus de table. Ouais, que le porteur. Stabam sans frame, c'est comme un jour sans pain. Ça n'a pas de saveur. Ouais, ça y est, je me suis débarrassé. Si j'arrivais à faire là mon speed. J'ai un PV. Ouais, on t'a entendu la première fois. J'ai un PV. Ça remonte pas. T'as combien de PV, Stabam? Je crois qu'il a un PV. Et ça remonte pas. Ouais, putain, ça veut pas remonter. Et si t'as pas assez de bouffe, c'est normal. Si t'es en dessous de 70, ça remonte pas. Eh ouais, je suis à 50 maintenant de bouffe. Je dis, Irmer, petit ange, est-ce que tu te sens de voler vers le bas pour au moins lui filer son stuff en bas de la tour et puis après tu te découvres quoi? Attends, je vais essayer. Si je meurs pas là, parce que tu sais, dans l'adversité. Oui, c'est là qu'on est le meilleur. Allez, soldat, allez. Non, je t'évite, toi. C'est les archers, hein, il faut faire attention, parce que là. Il faut surtout pas que tu voles, parce que sinon, c'est un boulet de canon. Ah ouais, non, mais c'est un boulet de canon, là. Faut pas que je vole, mais. Les épices. Allez, hop. Là, le gardien, là. Hop, allez, hop, je cours. Je te jure. Un petit coup de Je serre les fesses. Quand tu vas arriver en haut, faut que tu arrives à appuyer pour faire le point de spawn, c'est plus important. Ouais. Ça te fait remonter les PV quand tu serres les fesses? Ouais. Bah, ça fait remonter les P, déjà. Après, les V, on verra ultérieurement. Allez, Sabdam, allez, Sabdam, allez. Allez, Sabdam. Je suis déjà allé un peu plus haut. Allez. Je garde un peu d'endurance pour passer lui. Et là, je cours. Et bye bye, je sais plus où je suis. Et non, c'est pas le bon. J'ai pas allé à bon. Non, un PV, je suis mort. Encore? Ben ouais, un PV, la moindre flèche, t'es mort. Donc, comment en fait, tu retentes encore ou petit ange, je te descends ton stuff? Je vais essayer de d'y aller, mais c'est fou. Ce qui serait bien, c'est que j'ai mon stuff en bas de la tour, quoi. Oui, c'est pour ça que je disais si. Parce que l'avantage, c'est que petit ange, je peux se découvre-co. S'il y a au moins te prendre tes armes, peut-être pas tout le stuff. Ouais, non, mais là, parce que j'ai aucune arme, là, je peux même pas des. Alors, tes armes. Il m'a eu ce saloperie. C'est pas le marteau qu'il te faut, c'est la hache à deux mains, c'est ça? La hache à. Il lui faut. Ouais, la hache à deux mains. Bouffé, et puis une élixir. Et puis les steaks de champignons et un élixir de. Les 7 élixirs de santé. T'as que 4 champignons. C'est pas grave. Ok, bon, bah je te descends ça alors. Attends que je sois là. Mais il faut que je saute comme tout à l'heure. Mais je vais me faire dégommer par les canons. Il faut que tu ailles sauter du côté tunnel sur la main. À côté vers tunnel vers l'ouest. Vers l'ouest. L'ouest, c'est W. Oui, ouais, c'est-à-dire c'est là, là ouais, mais alors... quand tu sors, tu tournes à droite. Ouais, mais t'as vu qu'il y a un mec là qui m'attend. Oui. Quand tu sors, tu tournes à droite et tu retournes à droite tout de suite. Tu vas à droite, non, droite. Ça c'est la gauche. J'attends juste. Ah merde, c'est la gauche. T'es allé à gauche. L'autre droite. Alors, droite. Vas-y. Ah, il y a un trou. Ouais, mais j'attends, ça tombe bien, il faut que tu descendes. J'attends où? Non, t'attends voilà. Au pied de la tour. Enfin, juste avant le frelon. Juste avant le frelon, ouais, c'est ça. Alors là, je suis en bas, hein. C'est ça, il faut que j'aille en bas.
En bas, ouais. Au pied de la tour, juste avant le frelon, pour que sa dame n'ait pas... et puisse reprendre de la vie avant de, d'avoir le frelon. Quelle épopée. Alors, je suis au car, au bus, il y a un bus. Vers l'ouest, faut que tu ailles vers l'ouest, là. Ouest, c'est tout, tout droit, tout encore. Droit, ouais, tout ouais. Droit, là. Tu, voilà, tout droit, là, tout droit comme t'es. Oh, punaise, oh, c'est plus, ça pue. Ouest. Ah, il y a des volants, là. Pas grave, il y a un frelon, mais continue un peu encore. Un peu encore. Par là, tu... Et quelque part par là, ça serait pas mal si t'arrives à ne plus avoir le frelon au cul. Ok. C'est bon ? Et là ? Là, tu attends, là. Ouais, trouve un petit endroit à l'abri, Saddam, il va arriver. Saddam, il arrive, il est pas loin. Je vois le scarabée bleu, hein. Il bouge plus, Saddam. Allez, Saddam. Ah ouais, j'y vais. Je vous ai juste marqué, parce que comme j'étais avec Dico, je vous voyais plus. Ouais. Bah oui. Marque Titan, j'ai le tête. Ah mais il l'a fait. Et Titan, j'aurai plus qu'à découvrir comme ça. Mais alors il y a le scarabée bleu là en dessous. Faudrait que tu arrives à. Oh il va. Sur le petit plateau. Ah mais jusqu'à là il y a pas de problème. C'est juste le début du frelon. Il me le devait un coup. Et à chaque oui. Fois après les flèches, les coups de. Ça s'accumule. Ça s'accumule. Elle est à le poison en plus. Oui. Là au moins tu vas reprendre des PV. Tu vas pouvoir rusher. Ouais. Petit ange, tu vas pouvoir te déco-reco pour remonter. Et retracer parce que dès que tu vas spawn. Ah, je te vois. Regarde au-dessus de ta tête sur sais, un plateau. Je sais, je t'ai vu. T'inquiète, okay. Je t'ai vu. Mais alors fais attention parce que de l'autre côté de la souche, il y a des frelons. Il faut vraiment être de ce côté-là pour être tranquille. Ah, petit ange et Saddam ce soir. C'est magnifique. Ils vont donc construire des immeubles. Enfin, surtout Saddam. Petit ange va l'engueuler parce qu'il construit des immeubles. Parce qu'elle, elle ose le faire. Et elle, il l'écoute. Alors. Hop. Hop. Et hop. Il steak les élixirs, là. Ah. Et moi. Et quoi ? Moi, je déco. Ah, ça fait du bien. Voilà, oui, fait du bien. Remets ta fin au-dessus de 70. Ouais, c'est bon. Je suis à 100%. Prends un petit pansement ou un élixir, là, pour te remonter un peu les PV en prévision de l'ascension. Et trace. T'as plus d'excuses, Sam. On devrait inviter Petit Ange sur Stationers pour engueuler Saddam. C'est pas faux. Ah, surtout pas sur ce jeu. Non, mais tu viendrais juste pour engueuler Saddam. Vous vous débrouillez, hein. Oh, on engueule bien Saddam nous-mêmes, mais... c'est pas pareil. Vous avez le soutien d'Oderan. Non, c'est pas pareil. Ouais, merci, Deran. Saddam va le faire. Nouveau joueur nous a rejoint. Allez, trace. Ah, le frelon, il est là maintenant. Oh non, il y en a toujours eu un là. Il y en a toujours eu un. Ah ouais ? Ouais, ouais. On se l'est fait au premier passage. Bah. Là, il est à l'entrée. Tiens, il me suit là. C'est pas grave, monte. On se le fera là-haut. Il y a plus de place sur le. Je crois qu'il fait demi-tour. Oh, il attend Saddam. Il repart. Oui, bah oui, il a meilleur goût, Saddam. Saddam a très bon goût. Le saviez-vous ? Saddam a très bon goût. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.